السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين سمعتم؟ Je croyais une soeur, elle voulait dire quelque chose. Donc je te disais, il y a le frère, il me disait, bon, il y a un frère, il me dit, tu vas répondre, bordel! Après, moi, je vois le message, je dis, mais il est sérieux, lui? Après, je lui dis, je me suis dit, bah, vas-y, frère, Inch'Allah, vas-y, je lui dis quoi? Je lui ai écrit, je lui ai dit, excuse-moi, je suis occupé, je te reprends. Ah, bah, ce serait pas si tôt! Après, je me suis dit, mais. Arrête! Il est fou! Voilà, tiens! Eh, voilà, Mohamed Lamine, voilà, il y a des gens, ils te parlent, on dirait, au fait, c'est leur dû. Voilà, c'est leur dû. C'est leur dû. Et le problème dans ce genre de choses, c'est des gens, il faut faire très attention. C'est des frères ou peut-être des sœurs, comment elles te parlent. Toi, tu sais pas, mais c'est Shétan qui l'a ouest-ouest. Et finalement, toi, tu vas avoir une réaction, ça va te faire sauter toutes tes hassanettes. Ça va te faire sauter toutes tes hassanettes. Ça, c'est sûr de choses que là, faut garder son sang-froid dans ce genre de choses. Il y a des personnes, tu vois, ils sont là, ils sont en train de t'éprouver si tu le fais. Ta réaction va déterminer, t'as déterminé si tu fais pour Allah ou pas. Il y a des gens, quand ils viennent, ils te parlent, voilà, ils te parlent, tu dis, mais moi, dans la vie, on parle jamais comme ça. On ne parle pas comme ça. Mais vas-y, toi, tu laisses certaines choses. Non, mais il y a des frères Quand et c'est sœurs, pour ta personne, tu laisses. malheureusement, ils croient qu'en fait, quand tu fais da'wa, ils pensent que tu es à leur service, en fait. Ils savent pas Moi, il y a une que sœur, elle m'a dit tu as une vie de quoi? famille, Moi, tu il as y a des une sœur, trucs. elle m'avait contacté, elle m'avait posé une question. Et après, au fait, regarde, il y a des personnes, de temps en temps, ils te posent des questions par rapport à leurs problèmes. Et au fait, ils attendent que tu donnes une réponse qui la satisfait. Et comme moi, quand je lui réponds, et au fait, finalement, elle voit que ça la satisfait pas, elle vient me poser la question. D'abord, c'était Salam alaikum, Akhi Abdullah, excusez-moi de vous déranger, qu'Allah vous préserve, ça commence par une doa. Quand maintenant elle me pose la question et que moi je donne la réponse qui ne va pas, elle m'a dit qu'Allah vous brise le dos. Arrête! Ah, T'es pas sérieux! Arrête! T'es pas sérieux! Arrête les doigts! Abou Wallah, t'es Suleiman, et chaud! voilà, elle m'a dit qu'Allah brise le dos. Après, moi, j'ai Aouzoubillah! fait, elle m'a bloqué. Après, moi, j'ai fait un jib. Et tu vois, après, 2 jours après, elle me rappelle. En fait, 2 jours après, elle me débloque. Elle me dit, oui, en fait, j'ai une autre question. Elle m'a parlé comme si de rien n'était. Et après, elle me dit quoi? Après, elle me dit quoi? Elle me dit, vous répondez pas? Et moi, je dis, bah, peut-être mon dos, il est brisé. J'ai peut-être rendez-vous avec le kiné. Mais c'est comme moi. La dernière fois, il y a une sœur, elle envoie son témoignage. Elle envoie son témoignage. La sœur, elle envoie son témoignage et tout ça. Elle allait demander 10 cas de dot, etc. Parce qu'elle va se marier au deuxième, etc. Et puis, et les réactions, toi, j'ai posté, toi, dans les stories. Et lorsque les gens, ils ont posté, les gens, ils ont mis leur réaction. Ça n'a pas trop été dans son sens, tu vois. Ils ont dit, ouais, je commençais à demander 10 cas de dot, etc. Ça a accompagné avec des voitures et tout ça. À la fin, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, chien de la casse. Elle m'a dit, chien de la casse. Voilà, elle m'a dit, espèce de chien de la casse. Elle m'a bloqué, frère. Si on fait un constat ce soir, wallah, il y a de dangereux psychopathes chez nous. Hein. Faut pas se mentir. Franchement, il y a beaucoup de ouf. Hein. Ah, je sais pas Là, s'il est faut de se chez nous, mettre. l'autre là, de tout à l'heure. C'est de la vérité. Hein. Ah, lui, chez Non, lui, mais il. je crois qu'il faut faire une psychanalyse générale. Je sais pas comment Abou on appelle ça, là. Saïman, Abou Saïman, donne-lui ton constat, toi, de ce que tu as vu là. Wallah, tout à l'heure, je vais te dire juste une chose, frère. Parce que moi, t'as vu, je le Abou sens, il est Saïman, il chaud. voulait lever, frère. Il voulait lever. Wallah, j'ai failli jeter mon téléphone, déjà. J'ai failli jeter mon téléphone. Tellement je voulais rentrer. Tu vois? Regarde. Déjà, moi, ça me fait mal au cœur comment il a manqué de respect, tu vois? Pour toi, je sais, t'as pas besoin de moi pour te défendre ou là de personne. Mais, tu vois, quand il parle comme ça fait mal au Ouais, c'est cœur, tu vois? l'amour. Ouais, c'est ça exactement, Abou Souleymane. C'est l'amour pour le frère. On n'aime pas ça. Tu manques de C'est respect à un ça. frère qu'on aime comme c'est pas ça, comme ça la vie. Pas comme Tu ça. vois, ça fait mal au cœur. En plus de ça, il te demande de enfin, il dit à l'autre frère, et ouais, respectez, laissez-moi mon temps de parole, nanana, tu vois, il arrêtait pas de monter le son là. Wallah, quand t'as commencé à parler, il arrêtait pas de couper la parole. Ça m'a encore plus énervé. Tu vois? Ça veut dire, lui, déjà, si il Ouais, me il est coupe là, privé.
Voilà. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. S'il m'écoute déjà, c'est quand tu demandes le respect, toi déjà donne-le aux autres. Ça, c'est la première Exactement. Des choses. Nul ne sera véritablement croyant tant qu'il ne voudra pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Sauf si, bien sûr, il te considère comme un frère déjà. Ça, c'est encore autre chose. Mais, c'est ça que je me disais. Voilà. Mais, donc déjà, il manque de. Tu vois, il te demande de ne pas lui couper la parole, de lui laisser son temps de parole, entre guillemets. Il veut montrer qu'il a le edeb, qu'il a le bon comportement de l'assise. Et il montre tout le contraire derrière quand tu as commencé à parler. Tu vois ? Ensuite, frère, il parle d'un ijma'. Alors déjà, attends, il dit isma' au lieu de isma' avec le ayn. Il dit le ha. Bon, bref, c'est pas grave. Le Qur'an. Non, ouais, mais après, c'est pas grave. Tu sais pas parler l'arabe. Tu sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu t'aventures si tu sais pas parler. Voilà, ça, mais dans ce cas-là, ne t'aventure pas. Ensuite, il te dit qu'il y a ijma', c'est-à-dire qu'il y a consensus, qu'il y a unanimité. Déjà, sur les quatre écoles, les quatre, ils ont ijma', justement, ils sont unanimes sur le fait que celui qui reconnaît le caractère obligatoire, comme tu as dit, de la zakat, mais qui ne s'en acquitte pas, ça ne le fait pas sortir de l'islam. Tu le combats, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc le ijma', c'est nous, on avait l'ijma'. Ensuite, il te dit, même s'il prend, il prend que le Coran, imaginons qu'il prend que le Coran. Ah oui, c'est simple, j'avais mis le message, mais t'as pas dû voir. Allah dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le shirk qui est en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Inna Allah yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. En dehors du shirk, Allah il pardonne à qui il veut. Ça, c'est la plus grande des preuves. C'est le plus grand dalil. Exactement. C'est pas pour ça, ce dalil. C'est le plus grand dalil. Et c'est sur ça que le madhhab. Il y en avait trop, en fait. Même dans le Coran, Abou Sulaiman, excuse-moi, même dans le Coran, en fait, il y avait trop dalil là. C'est quand il a commencé à dire des dingueries, moi, dans ma tête, je me dis, mais il est fou, quoi. Il y avait trop d'adil là, au fait, que tu lui dis, bah, vas-y, maintenant, si tu veux, oublie tout. C'est quand il a commencé à vouloir rentrer, ouais, mais t'as cité Ibn Taymiyyah, t'as pas cité le Coran, t'as pas cité le truc, tu le coinces au corps, tu dis, bah, vas-y, maintenant, viens, on reste que dans le Coran. Mais le Coran, il est contre lui, déjà. On reste que dans le Coran. Le Coran, il est contre lui. Et ensuite de ça, en plus de ça, juste que j'avais mis au moins pour éclaircir le sujet. C'est que, tu sais, quand il a parlé de Harb Ridd, quand il a parlé de ça, quand ils sont partis combattre les tribus qui ne voulaient pas s'acquitter des zakat, ils n'ont pas été les combattre parce qu'ils ne versaient pas zakat. Ce n'était pas pour ça. Ils ont été les combattre parce qu'ils privaient les pauvres de leurs droits. Les pauvres, c'était ça, en fait. C'est-à-dire que en plus, il y a un point que j'ai oublié de dire aussi, subhanallah, c'est que, en fait, Abou Bakr, une autre raison aussi pour laquelle il a voulu les combattre, c'est parce que eux, en fait, dans leur i'tikad, ils voulaient tabdil et din. Parce qu'en fait, eux, ils disaient que la zakat, on la donne, mais pas à Abou Bakr. Donc, Abou Bakr, ça, c'est i'tikadi, même pas de la din, faktoulou, tu vois, les savants disent. Même pas de la din, faktoulou, ils ont voulu modifier la religion, tu vois. Et c'est donc dans ça que, c'est pour ça que celui qui reconnaît le caractère obligatoire, parce que eux, ils ont voulu modifier la religion, ils avaient un i'tikad. On donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à Abou Bakr, on ne lui donne pas. Donc, en fait, c'est un problème i'tikadien. Et en fait, regarde, ça, excuse-moi juste une seconde, c'est que cette personne-là, c'est des personnes qui sont vides. Ils sont vides, comme l'a dit le frère Abdallah, ils sont vides. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de bagage. Ils n'ont pas de bagage. Qu'Allah il leur fasse qu'ils apprennent et qu'ils sortent de cette ignorance. Parce que c'est ça, le plus grand mal, c'est l'ignorance. Et en vérité, c'était quoi ces barahim? C'était quoi ces arguments? Ces arguments, c'était oui, mais Harry, c'est ton interprétation. Alors qu'à aucun moment, tu as donné ton interprétation. C'est ton interprétation. Oui, mais là, ce que tu dis, c'était pas pour ça. Et en plus de ça, après. Quand on dit, ouais, il est Qur'ani, je ne sais pas ce qu'il est. Parce qu'il revient, ce qui est très dangereux, il vient à la langue. Alors déjà, il n'a pas la langue arabe, mais il revient à la langue quand même. Dans le sens où il dit, ils ont appelé ça Harbour Ridda. Donc c'est un dalil. Mais depuis quand ça, c'est un dalil? Ça veut dire, il qaddam. C'est ça qu'il m'a rendu ouf quand il a dit ça. Voilà. Il devance une définition linguistique sur les paroles d'Allah et les paroles du prophète, alayhi sallam, sur les sahabas, sur le Imam al-Arba. Mais frère, t'es vide.
Tu es vide, si tu m'entends, tu es vide. Ittaqillah. Et crains Allah, ce que j'ai dit en français au cas où, c'est déjà tout traduire aujourd'hui. En fait, pour, regarde, pour tirer profit, comme ça, on essaye de le frère Kalalgi. Est-ce qu'on peut tirer profit de cette assise, parce qu'il y a des gens pendant une heure et demie, ils ont soufflé, ils ont baillé, ils ont fait tout ce qui n'était pas possible. C'est qu'à la base, on va rentrer dans les règles du débat. Il y a des oulamas, ils ont fait des koutoubs, ils ont fait des livres sur les règles du débat. D'abord, la première des choses, quand tu débats avec quelqu'un, faut que tu t'assures que lui, déjà, la définition des choses, il comprend comme toi, tu comprends. Sinon, tu vas perdre ton temps pour rien du tout. Tu vas perdre ton temps pour rien du tout. D'abord, lui, quand il est venu, par exemple, je prends juste son exemple, je ne rentre pas dans son cas, je prends son exemple pour qu'on comprenne comment un débat, il ne va pas tourner en rond. C'est-à-dire que lui, il vient, il te ramène l'histoire, il te ramène un titre, il ne sait pas le titre, il est sorti de qui. Il sait pas ces trucs. Toi, en fait, d'abord, la première chose, tu lui poses des questions. D'abord, la parole que tu as citée là, ça a quelle valeur islamiquement? Est-ce que ça, c'est la parole que tu as citée là? C'est avec ça qu'on va faire la houkm? C'est avec ça que, voilà, ça, la houdja, elle tombe? Et c'est, voilà, le dalil, il est tombé? Déjà, tu lui poses toutes ces questions là. Déjà, même quand il a dit l'ishmer, je pense si c'est Starfallah, qu'elle me pardonne. Hein. Mais je pense que si je lui dis, donne-moi la définition. Il sait pas c'est quoi l'ishmer. Parce qu'en fait, c'est ça. La définition. Non. Attends. Je ne sais pas c'est quoi. Sa définition de l'ijmer, c'est 90% C'est pour ça, Abou Souleymane. C'est pour ça, Abou Souleymane, dans les choses comme ça, c'est ce que je dis. Il ne savait pas parce qu'à un moment, il a dit quoi? Il a dit oui, l'ijmer, c'est que. Il a dit les gens. Déjà, je dis, c'est pas les gens, l'ijmer. L'ijmer, c'est de ulama. Si tu prends le ami, son avis, on ne le calcule pas. On calcule la vie des ulama, déjà. Et déjà, les ijma, c'est ittifaq ulama al-asr. C'est le ulama d'une époque. Et si on regarde dans toutes les époques, il y a plein de savants, il y a plein d'avis. Subhanallah, il y a plein d'avis différents sur la question. C'est pour ça que je suis en train de te dire, à la base, lui, dès le départ, parce que toi, t'es rentré direct dans, t'as voulu rentrer dans un djidel scientifique avec lui, alors que lui, ça se voit, il était même pas dedans, lui. Lui, il savait même pas c'est quoi. T'as commencé à lui ramener des règles, t'as commencé à ramener des règles. Lui, frère, il était pas dedans. C'est comme si tu parles à quelqu'un qui apprend des additions. Les additions, toi, tu veux rentrer dans les divisions. Il était pas dedans. Donc, ça veut dire, au départ, toi, tu viens, tu lui ramènes des définitions. Définis-moi ça. T'as sorti ça, définis-moi ça. Quand tu vois quand lui-même, il va voir que même pour définir les choses, il n'arrive même pas à le faire. Là, c'est lui qui va faire son moonwalk tout seul. Lui va faire son moonwalk tout seul. Pour lui faire. Il va comprendre que c'est pas pareil. Mohamed Lamine, quand tu fais un débat, il faut faire une. Faut être en mode Fabrice Divisio. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Tu vois? Faut être en mode Fabrice Divisio. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, Abdallah, en fait, moi, voilà ça que je voulais dire. C'est que le fond, wallah, le fond. Il cherchait à ce que Mohamed il s'énerve et qu'il montre un mauvais comportement. C'est ce qu'il attendait. Merci. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, Abou Souleymane. Voilà, mon frère. C'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, c'est un peu comme un jour, je m'en souviens, il y avait un débat où docteur Abdoumadji était en train de débattre avec un pasteur. Et tu vois, il était en train de débattre sur une prophétie biblique, c'est la prophétie de Daniel. Et tu vois, docteur, il ramène, tu sais, pour dire que l'avenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui ramène quoi? Il lui ramène l'histoire, il lui ramène plein de trucs, il rentre vraiment dans des trucs très techniques. Et tu vois, le pasteur en face de lui, tu sais ce qu'il fait? Il pose ses pieds sur la table. Il commence à bailler. Il l'écoute. Et quand il a fini, il dit à docteur comme ça, sans effet. Ah ouais. Donc au fait, c'est comme si, l'auteur, il s'est fatigué pendant 10 minutes pour rien. Ah ouais, fait, lui, il te balaye ça, comme si, non, tout ce que tu dis, je veux pas le prendre. Parce que toi, quand tu lui as posé la question sur le hadith, lui, il a bifurqué direct. Il t'a pas répondu. Et si tu remarques bien, il t'a pas répondu. Toi, après, tu l'as suivi. Quand il a commencé à dire, ouais, mais non, mais regarde l'histoire, il y a des historiens qui disent ça, toi, tu l'as suivi. Toi, fallait même pas le suivre. Toi, tu le tires, tu le reviens encore, tu dis réponds-moi d'abord à ça, sinon je ne réponds pas. Sinon je ne bouge pas. Mais frère, je vais vous poser une question.
Franchement, quand vous avez lu les messages, parce que nous, on s'est amusé sur le chat, là. Je ne sais pas si il aurait vu le chat, je crois qu'il aurait perdu ses vœux. On l'a massacré. Moi, je regarde même pas, je ne peux pas regarder le chat, moi, pendant que je parlais. Ah, frère, franchement, je te dis la vérité. Hein. T'as qu'à me pardonner, hein, mais je n'ai pas été gentil ce soir. J'étais obligé de me mettre en mode Zidane, tu vois, numéro 10. Non, c'était trop. Hey, je ne sais pas si vous êtes fait la même opinion, les frères, mais quand vous écoutez, enfin, quand vous voyez comment il parle par écrit, moi, quand Mohamed Lamine, il a dit, le gars, il arrive, j'étais comme ça, j'attendais. Je me suis dit, je trouve un mec exclému, on se beubard, vénère, tu vois. Tu vois un petit que, mec, un petit que t'étais une petite chanteur de rail. Calme, Z. Moi, surtout, tu vois, franchement, on va pas attaquer son physique. Mais moi, frère, je me demande s'il a pas une pathologie. Ça, c'est la question que je me pose. Moi, surtout, tu vois. C'est une pathologie. Non, mais Abdullah, je suis d'accord avec toi, frère. Mais tu sais, moi, je pars du principe que tu vois, s'il a une pathologie, si machin et tout, il va pas être sur un service. C'est comme par exemple, on va dire au niveau de. Mais quand t'as une pathologie, parfois, tu sais pas ce que tu fais. Oui, tu sais. Non, tu sais. Mais c'est comme par exemple le foot. Tu sais, quand par exemple, nous, on joue entre les grands, les petits, ils veulent venir jouer. Ah non, tu peux pas jouer. Mais en fait, moi, tu vois, surtout, après, il a une maladie du cœur pour être loin comme ça. Ça, c'est sûr. Après, une pathologie, moi, je discute pas. Moi, franchement, pour moi, il est raqué, mais il n'y a pas de pathologie, tu vois. Tu crois, Abou Souleymane? Parce que je sais pas. Je me pose la question, franchement. Faut être raqué pour chercher. Parce que quand il attend, quand il balançait ses pics là, c'était uniquement pour chercher, pour montrer, voilà, regardez ses frères, comment ils sont, regarde comment ils énervent, comment ils me parlent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça qui est. C'est vrai que c'était très, en fait, c'était très intentionnel. En fait, lui. Depuis le début, il disait quoi? Il voulait vraiment te faire sortir il voulait te faire sortir de tes gants. Tu vois, ça se voyait que lui, tu vois, ses attaques, elles étaient, tu sais, c'était un peu vicieux dans le sens que il est là, il pique un peu. Et après, quand tu commences à augmenter, tu dis, mais les frères, laissez-moi discuter, tu sais, c'était un peu truc, mais bon. Mais dès le début, Mohamed, tu sais, quand il a commencé à parler, il t'a bloqué tout de suite, tu vois, ça veut dire que, déjà, il cherche à monopoliser, à prendre l'ascendant psychologique sur toi, parce que il n'aurait pas dû le laisser à ce moment-là. Ça veut dire qu'il a voulu inhiler, tu vois, tout ce que tu aurais pu ramener au début. Ça veut dire rappeler les faits de ce qui s'était passé en amont. Et ça, il n'a pas laissé faire. Tu vois, il prenait la chambre psychologique. Non, mais attends, il disait quoi? Il te ramenait en disant, ouais, on n'est pas des enfants. Non, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. On va pas faire les. On est là pour rentrer dans le sujet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, bien sûr. Il était très, très réfléchi dans sa méthodologie. Dans sa méthodologie, exactement. C'est clair qu'il est venu chercher la bagarre. C'est évident. Sauf qu'après, quand en face, t'as des gens qui connaissent un minimum leur religion, il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire ça, ils peuvent faire tout ça. Tu sais, Wallah, Ali, Allah, ça je l'ai lu aujourd'hui. Wallah, Yahri, il n'y a personne qui peut venir avec des choubouettes, avec des ambiguïtés, avec des balalettes, avec des égarements, avec des. Et te mettre en danger. Ce qui nous met en danger, c'est la faiblesse de foi. Si ta foi, elle est faible, tu vas tomber dans ces choses-là. Mais si ta foi, elle est forte, Wallah, Yahri, il n'y a personne qui pourra te faire vibrer de la vérité. C'est ça. Juste un truc, frère, après, je vous laisse. Je ne sais pas, Abdullah, je pense que tu vois, c'est qui, Mamar Betmati? Ouais, je connais. Ouais. Ben, lui, je pense, parce que c'était exactement. Parce que moi, je me suis fait attaquer par Mamar Betmati, tu vois. Je lui ai répondu. Mais moi, tout le monde s'est fait attaquer. Moi, il m'avait attaqué. Après, il m'a attaqué, m'a envoyé un mail. Moi, je lui ai dit, frère, si tu veux, tu me donnes rendez-vous, on boit le thé. Mais moi, je te calcule même pas sur Internet. Moi, je lui dis ça comme ça. Je te calcule même pas. Oui, je lui ai dit, on boit le thé, on boit un thé, on discute si tu veux, si tu es frustré. Mais moi, je te calcule même pas sur Internet. Moi, je lui dis clairement, je te calcule même pas. Ben, c'est exact. En fait, moi, le truc, c'est quoi? C'est qu'un jour, je t'ai posé tranquille, je reçois un message sur mon téléphone, un pote à moi. Il y a quelqu'un en train de parler de ton livre. C'est intéressant, tu vois. Je montre le truc, je vois le gars, il est en train de me découper. Que des mensonges, que des. Tu vois, des phrases, il les tourne dans un autre sens, etc., tu vois. Et à un moment donné, normalement, tu vois, dans la bienséance, entre les féminines, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies un mail. Salam alaikum, machin, nan, je me présente à tel. J'ai lu ton livre. Est-ce que tu accepterais de venir au débat sur le. Est-ce que tu voudrais venir au discuter, machin et tout? Il y a des points sur lesquels tu es pas d'accord. Tu vois, la bienséance. Tu vois? Ce que moi, je fais, par exemple, quand je cherchais des invités, tu vois, bonjour, je me présente, Ziad Razouani, bref, la bienséance.
Lui, non, direct. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, le gars, il va attaquer par vidéo interposée. J'ai répondu. Et après, les gars, ils ont fait quoi? Le soir même, ils ont décortiqué ma vidéo, ils sont venus insulter, ils sont machin. Et c'est exactement le même type de discours. Quand j'entendais ce mec parler, j'entendais l'autre. Papa, nous on n'est pas peuf d'Adi. Moi, comme j'ai dit, quand il y a des gens, ouais, moi je veux débattre avec vous. Moi, je dis, moi je suis pas peuf d'Adi, je lance pas les carrières des gens, moi. Moi, je suis pas peuf d'Adi, papa. Ouais, j'ai refusé. Moi, ça veut dire, moi je réponds comme ça, Mohamed Lamine. Je suis pas peuf d'Adi. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent, cache-moi en fait, ils veulent te parler, c'est juste que ils veulent se faire montrer en montant sur les autres. Moi, j'ai pas de temps avec ça. Ça veut dire qu'à un moment, c'est clair. Si on fait des choses, c'est pour que ce soit profitable pour tout le monde. Non, mais moi, franchement. Là, vas-y, il y a eu cet incident. De telle sorte que ce soit profitable pour les gens qui nous écoutent, c'est très simple. C'est qu'il y a des gens. Il faut pas perdre le temps avec eux. Tu fais comme dans Sourate Al-Furqan. Salam alaikum. Par frère. C'est ça. Et déjà, j'avais mis tout à l'heure. Dans le madhhab de l'imam Ahmed, Ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il disait que tu fais pas jidal avec quelqu'un qui est mal intentionné. S'il est mal intentionné, tu parles pas avec lui. S'il était là et qu'il voulait la vérité, Mohamed. Tu parles avec lui parce qu'il cherche la vérité. Lui, il ne cherchait pas la vérité. Ce qui m'a choqué, franchement, voilà ce qui m'a choqué, c'est que frère, wallahi, les messages, hein. Il m'a dit, je vais t'envoyer à l'hosto, etc. Il m'a dit, Laisse ça, explique. Il m'a dit, je t'ai dit d'arrêter avec tes menaces, je ne te le redirai pas une troisième fois. Tu vois, il était condescendant. Et dès qu'il est arrivé en live, il a dit, mais Mohamed, moi je respecte ton avis, etc. Dans ma tête, je me disais, mais voilà, c'est un ouf. Tu sais pourquoi, voilà, ce soir, je voulais pas faire de live. Je voulais rester posé tranquille à la maison. Et je lui ai dit, vas-y, on fera demain. Il m'a dit, ah, tu te défiles, etc. C'est comme, et tu attaque personnelle. Il m'a dit ça en privé. Ouais. Ah, vous, c'est normal. T'as vu comment il a joué avec le nef de notre frère? Et voilà, il a joué avec le nef de notre frère. Il m'a dit, tu défiles. Ah. Il m'a dit, comme tu sais, il a pêché. Moi, on m'a déjà dit ça, Mohamed Lamine. Moi, on m'a déjà dit, ouais, tu te défiles. J'ai dit, non, je veux faire même un défilé. Laisse-moi tranquille. Voilà. Il m'a dit, voilà, c'est comme tu sais, etc. De manière, je me suis dit, bon, vas-y, moi, je vais pas passer pour les youtubeurs. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu veux débattre sur le sujet? Il m'a dit, moi, je recherche la vérité, etc. Je dis, tiens, c'est la vérité. Il n'y a pas de problème. Vas-y, viens, on débat sur le sujet. Il y a des personnes, c'est pas la peine de perdre son temps. Il y a des personnes, ça sert à rien. Continue, faut bien comprendre quand tu débats. Moi, je te le dis. Il y a plusieurs utilités. De temps en temps, tu vas débattre avec des ennemis. C'est pour qu'ils servent d'exemple. Par exemple, il y a des ennemis. Eux, ils sont là. Ils ont une grosse audience. Toi, tu sais que eux, c'est des hadous. Jamais. Tu sais que eux, ils sont là. Ils veulent pas le haq. Toi, tu les humilies pour que de telle sorte, à côté, en face, les gens qui voient, ça tire profit. C'est pas eux que tu vises. Mais lui, là, personne ne le connaît. On sait pas c'est qui. Il reviendra plus. On sait même pas. Peut-être qu'il est venu par accident. Alors, c'est en vrai. Il n'y a pas d'utilité de débattre avec lui. Juste un dernier truc. Après, j'ai vu Mohamed Gamine, parce que ma femme, elle est en live chez une soeur, j'ai oublié le truc. Elle a dit, tu fais un excellent travail, frérot. T'as pas à en douter. Alhamdoulilah, tu réunis des gens. Tu vas comprendre bien. Tu pas ces gens-là, frère, c'est des trolls, c'est des haineux, c'est des clochards, tu vois. Ils n'ont rien à faire de leur journée. Toute la journée, ils sont sur Internet, tu vois. Nous, on a des vies, alhamdoulilah, on a nos enfants, on a nos épouses, on a des projets. Nous, on a la paix, frère. Hein? Nous, on a la paix. On a la paix. Même dedans, vous voulez sortir la paix, toi aussi, Abou Sélémane.
Laisse ça. Tu parles pas de la même paix, toi. Tu parles pas de la même paix. Bois le coup. Bonne soirée. Tout à l'heure, il y en a qui disent que moi, on parle de paix. On leur dit pas de lui. Voilà, si on parle de paix, là, c'est les sœurs qui vont nous clasher maintenant. Là. Après lui, là, c'est les sœurs qui vont prendre le relais. Et je voudrais passer le salam à Abdou92i aussi. Il était chaud dans les commentaires. Il m'a bouillé ce soir. Il m'a tué. Bon, les frères, ça va comme bientôt, Inch'Allah. Vas-y, frérot, ça va comme. Ah, quand même. Bon, c'est bon. Ouais, on va mettre fin. Attends, il y a un frère, depuis tout à l'heure, il voulait monter. Ibrahim, on va attendre qu'est-ce qu'il a à dire, on va mettre fin en live. Voilà, on aurait pu continuer la deuxième partie sur les frères. Ouais, me dis pas que tu vas garder un live bizarre comme ça, hein, t'es face après. Non, hein. non, je voulais passer. Salam alaikum, Ibrahim. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça va? Ça va, c'est bien fait. Ouais, ça va, alhamdulillah. Franchement, ouais. Aujourd'hui, moi, je te tire mon chapeau, tu as tout mon respect, frère. Tu as maîtrisé une colère que moi je n'arriverai pas du tout à respecter. Moi j'ai été en face de frères en Égypte, lui Bida, lui Moustadia, Moustadia, je me suis dit devant tout le monde, j'ai dit par Allah, même des pères de famille, qui ont 40 ans, j'ai dit par Allah, celui qui me dit Moustadia, j'enlève mon famille, si je lui montre la cité de 3000, comment ça se passe. Ils m'ont tout regardé. Parle bien devant le micro, on t'entend pas bien. Un jour, j'étais en Égypte, tout le monde se parlait de Moustadi, il y avait une grande fitna de savants. Ouais, ça parlait de l'histoire du savant d'un cher du Yémen, de Damas, etc. Ça fait une grande fitna. Et moi, je me suis retrouvé entre des frères. Moi, je parle avec tout le monde, mais entre eux, ils ne se parlent pas. Et au fur et à mesure, ça me jette de loin, tout ça, ça me sionne. Jusqu'à ce que j'ai dit, moi, celui qui me dit Moustadi, c'est mon famille. Et j'ai dit, je lui montre la cité des 3000, comment ça se passe? Jusqu'à que je quitte là-bas, tout le monde m'a respecté. Malheureusement, tu vois, et quand j'ai vu toi comment tu maîtrises la colère là, j'ai dit franchement, je respecte le nom parce qu'en fait, il y a une chose, quand tu n'as pas cette patience là, et quelqu'un là, en fait, pour lui montrer, en fait, c'est bien de le féliciter, comme ça tu continues là-dessus. Après, tu sais, c'est pas facile, hein. Moi, c'est pas facile. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, le fort, ce n'est pas celui qui... Tira ses ennemis. Hein? Voilà, c'est celui qui... Celui qui pas... Qui se maîtrise dans sa colère. Et c'est pour ça, en fait, quand je vois quelqu'un comme ça, moi, en fait, je le respecte. J'aurais aimé être comme lui tout de suite. Non. Après, tu sais, même parmi les sahaba, il y en avait qui étaient plus virulents que d'autres. Donc, il en faut aussi des gens virulents, tu vois. Et moi, des fois, je vois des gens, subhanallah, même leur famille, des fois, je ne le mets pas, je dis non, comme ça, s'il y a un problème autour de vous. Comme ça, t'es prêt direct. Voilà. Moi, il y a un frère. Des paroles vulgaires, c'est moi qui vais dire la parole vulgaire, moi, avec mon image, ça passe. Mais toi, avec ton image, moi, toi, un frère. Ça passe pas. Moi, il y a un frère, pour compléter ce que vous dites. Moi, il y a un frère, un jour, il avait vu un de mes débats, il avait vu les koufars, il parlait trop mal. Après, il m'a appelé, il m'a dit quoi? Il m'a dit, hey, Abdallah, vous, c'est vous débattez, hein? S'il te plaît, fais pas l'erreur, tu poses les livres et le stylo pour le frapper. Ça, c'est nous. Il m'a fait, frérot, toi, reste, fais ton boulot, laisse-moi une part du gâteau. Si tu me dis que eux, ils veulent commencer à menacer à aller aux mains, nous, vas-y, on n'a pas trop appris, nous, c'est ça. Tu vois, donc, tu vois, chacun son boulot. Voilà. On peut taper pour Allah. Toi, un petit bismillah, on place 4 gauches comme 4 gauches bien placées, nous on est là, tu m'appelles, tu vois. Il y a un frère, il m'a dit la même chose dans les commentaires. Il m'a dit, Mohamed, lui là, celui qui est venu tout à l'heure, il m'a dit, écoute, parce que quand il a vu les messages que j'ai postés, il a dit, Dieu, quand tu viens en France, on invite à manger, après on. Après, on va lui montrer c'est quoi. Il dit, il veut t'envoyer à l'hosto. Dis non, on a vu ta manger, on va lui montrer c'est quoi. Alors, après, Alhamdoulilah, des fois, en plus, vous en aviez parlé il n'y a pas longtemps, dans le. Je ne sais plus c'était quoi le sujet. À la Kulihal, c'était par rapport à la Hikma. Tu vois, la sagesse. Des fois, la sagesse, c'est ça. C'est que des fois, la sagesse, c'est de savoir être doux quand il le faut
et être dur quand il le faut. Il y a des moments où avec des gens, il faut être dur parce que c'est ça qui va marcher sur eux. Il y a des gens avec qui il faut être doux parce que c'est ça qui va marcher sur eux. Il y a des gens, il faut plus les calculer parce que les calculer, c'est ça qui va marcher sur eux. Et d'autres, il faut les calculer parce que c'est ça qui va marcher sur eux. Et donc ça fait partie de la sagesse en islam. Donc il y a des gens, des fois, il faut les secouer. Il y en a d'autres, ça sert à rien du tout. Et là, ça sert à rien du tout. Au contraire, il faut être doux. Et ça, c'est ça qui est important à déceler quand on fait da'wa. C'est halul mad'u. Yani la situation de celui à qui tu appelles à l'islam. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il faut être dur ou à quelqu'un avec qui il faut être doux? Et quand t'as cette qualité de savoir de discerner le besoin de la personne, et ben alhamdulillah, ta da'wa, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, elle va avoir un impact. Et là, le fait que toi, tu n'es pas réagi et allé dans le sens qu'il cherchait à t'emmener, bah peut-être qu'Inch'Allah ta'ala, ça va le faire réfléchir, Inch'Allah. Il y a une chose, c'est que tu sais, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit Afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Non. Quand Allah il parle des mouchriks là-bas, on parle à Muhammad, il lui dit Fala tazhab nafsaka alayhim hasrat. Et parfois, malheureusement, il y a des musulmans, tu vas parler avec eux, tu es obligé d'utiliser ce verset-là. Parce qu'en fait, t'es sur Amel, comment t'es venu avec les paroles des savants, c'est des savants connus. Et en général, et même les savants qu'on parle de eux aujourd'hui, à l'époque, avec les rois ou les gouverneurs de leur pays, ils avaient des problèmes. Et en général, ils ont presque tous fait de la prison ou ils ont été boycottés d'une ville, ils ont subi quelque chose. Les Bukhari, les Nasa'i, les Muslims, les Ahmad ibn Hanbal. Donc il y a beaucoup de savants qui ont subi des choses. Et c'est à la fin, et aujourd'hui, c'est Allah qui fait que leur livre, il est présent aujourd'hui. Et que leur prénom est cité. Il y a des savants qui sont passés, on ne les connaît même pas aujourd'hui. Non. Donc après, il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, faut mettre un stop tout de suite, parce qu'en fait, ils vont même dire des choses, en fait, qui réveillent en toi, en fait, ils vont te réveiller une haine, que même pendant 2-3 jours, en fait, tu penses à ces propos-là. Et il y a un savant qui avait dit aussi, il n'y a pas une chose qui est plus nuisible au cœur que de débattre avec un ignorant. C'est ça. Non. Et là, et là ça fatigue. Dit, voilà. Et comme le frère l'a dit tout à l'heure, il y a les savants, ils ont dit que en fait, il y a des moments, en fait, la religion, elle est avec la douceur, à des moments de douceur. Il y a des moments où il fallait aller avec la dureté, il faut aller avec la dureté. Et même quand tu as le verset, et après Allah dit فَإِنْ بَغَتْ إِهْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Et quand on parle de quelqu'un, il est tabri, et on voit que là, en fait, il y a de la haine dedans. Il y a tout dedans, il peut y avoir tout dedans. Quand Allah dit إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ عِلْمٌ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Et l'être humain aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, subhanallah, lui, il veut parler avec des habits savants et toi, tu ramènes des habits plus appuyés. Mais malgré ça, toi, on dit, il y a quelque chose dans le cœur. Il y a quelque chose qui vient, en fait, qui ne vient pas avec une bonne intention pour essayer de comprendre est-ce que j'ai raison ou j'ai tort. Ouais, et normalement, quand on vient à bien intentionner. J'espère que je ne me trompe pas, je me remets en question, je me mets à l'écoute. Mais à partir du moment que ça veut appuyer que sur l'endroit où tu as bégayé ou un endroit où il faut donner des trop d'exemples, et normalement, quand on parle avec un musulman, on n'a pas besoin de ramener trop d'appui. Alors, tu parles juste avec des versets de Coran de temps en temps ou un hadith ou deux. Les gens, ils sont censés avoir les mêmes masadirs, les mêmes bases, les mêmes origines, tu vois. Ouais. Après, ça donne de la compréhension, mais en tout cas... Amin. En tout cas, moi, je t'encourage. Moi, je te le dis, moi, je t'encourage. Barakallah. Celui qui dit qu'il veut chercher la perfection chez toi, il peut aller dormir. Comme la dernière fois, celui qui a dit, ouais, quand il t'a connu, tu ne savais même pas lire ton prénom arabe. Il faut lui faire savoir que pourquoi lui, tu vas tout le temps, tous les vendredis. Parce qu'en fait, ça... Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à Surat al-Kahf. Mais tu crois, lui il est trop marrant, lui, qui m'a dit ça. Oui, bah oui, mais... Tout à l'heure, j'ai encore vu un commentaire de lui sur une vidéo de l'anime live. Tout à l'heure, j'ai vu son nom, j'ai dit, lol, il est marrant, lui. Il me critique, je ne savais pas parler l'arabe, et il regarde les vidéos qu'on fait.
Il est venu me voir en privé, il m'a dit, mais attends, il a dit, pourquoi t'es parti? Il m'a dit, ouais, pourquoi? Il m'a dit, ouais, en gros, t'as mis ça sur ta story et tout ça, t'as pas répondu aux commentaires. Parce qu'en fait, c'est Abou Mouaz qui m'avait envoyé le commentaire qu'il avait mis. Oui. Moi, je l'avais pas vu sur ma vidéo. Ouais. Et dès que j'ai cherché sur ma vidéo, je le trouvais pas, tu vois. Mmh. Donc, pour lui répondre, moi, j'ai répondu en story, tu vois, j'ai mis en story parce que je ne voyais pas le commentaire sur ma vidéo. Donc, il est venu me parler en privé, il m'a dit, ouais, tu prétends, je sais pas quoi, mais tu parles pas, tu n'es pas venu me répondre en commentaire. J'ai dit, ouais, parce que je trouvais pas le commentaire et tout ça. Après, j'ai dit, t'es bizarre. J'ai dit, tu me dis que je savais pas parler la langue arabe, etc. Et j'étais ignorant ou je sais plus qu'est-ce que tu m'as dit. Et je te vois que tu commentes encore mes vidéos. Après, il m'a répondu, patience, patience. Et il m'a répondu patience. Je lui dis, bah, je sais pas, peut-être il prépare sa mise en garde, je sais pas. Et tout à l'heure, j'ai vu encore qu'il commentait, il a commenté en dessous d'une vidéo que vous avez fait. Tu sais ce qui est triste dans la communauté? C'est qu'on est tous des musulmans, mais quand il y a un sujet lequel on n'est pas d'accord, tout de suite on se met une mise en garde. On n'est pas d'accord sur ce contexte-là ou ce sujet-là, on le met à côté. On est des frères pour Allah, on avance. Ouais, mais de dire de là, de se mettre des barrières, parce que comment j'ai vu ce commentaire-là, j'ai dit en fait, mais lui, il ne sait pas pourquoi Allah a envoyé Moussa sur le Bahreïn. Quelle question a été posée à Moussa? Pourquoi pour le désir Elmin Ali? Quoi qu'il arrive, même si tu savais pas lire ton prénom, aujourd'hui, mashallah, les compagnons, ils ont commencé avec toi. Ils ont commencé avec toi. Non, mais laisse-le, même Bilal ibn Rabah, quand il se faisait torturer. Ouais. Et qui récitait la shahada. Il y a plusieurs ulama qui te disent qu'il le prononçait mal. Mais pourtant, le statut honorable qu'il a, qui va prétendre qu'il lui arrive à la, on lui arrive même pas à la cheville. Donc, ouais. Vas-y, arrête. Mes frères, les savants, eux-mêmes, quand ils ont appris l'arabe, quand ils ont appris la langue arabe, eux-mêmes, frère, est-ce qu'au début, ils savaient, c'est leurs parents qui l'ont appris? Ça c'est quand tu parles comme ça, c'est que tu parles d'ego, tu vois. Si tu veux. Même la langue arabe, frérot, même faut dire la vérité, même la langue arabe, là, même si on est là, on a voyagé pour apprendre un peu tout ça. Frère, on va te parler des vrais gens qui parlent la langue arabe. Nous, on va venir s'asseoir, on va dire on parle pas l'arabe, frérot. Faut parler clairement. Donc, c'est ça ou c'est pas ça, Abou Souleymane? C'est ça ou c'est pas ça? Ah, frère, à un moment, faut arrêter. On a beau. Bah oui. Ça sera toujours. Quelques miettes, comme ça, tu veux gagner du temps. Si tu vas cramer des vraies personnes qui parlent arabe, tu vas dire il n'y a personne qui parle arabe ici. On est des Aradjim. Hein. Et même les Arabes. Même les Arabes, Harry, parce que les Arabes, en vérité, ils parlent le lahja. Comment dire, s'ils ne vont pas à l'école, ils parlent le dialecte. Ils parlent un dialecte. Ouais. Donc, bien sûr que ça sera toujours plus proche que nous parce qu'ils ont le mahar, ils sortent bien les lettres et ainsi de suite. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais après, on ne peut pas comparer un arabe aujourd'hui qui a été aussi, mélangé avec des langues étrangères, avec la langue arabe du Coran de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas le même arabe, ça n'a strictement rien à voir. C'est pas le même arabe, ça. Bah oui. Ils parlent l'arabe, mais ils leur font un charh, ils leur font un tafsir. Alors que Sahaba, dès qu'ils entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir la révélation, ils comprenaient tout de suite. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur fasse un tafsir ou un charh ou quoi que ce soit. Ils comprenaient tout de suite ce que ils n'avaient pas besoin d'explication. Aujourd'hui, on a besoin d'expliquer en arabe ce que dit l'arabe et de le traduire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est deux choses différentes. Il y a une question de fiqh là. Elle coule la tête. C'est quoi la question de fiqh là? Toi, t'es un Hanbali, toi, Hamza Abou Souleymane. Malik. Ah non? Ouais. Non. Moi, je suis le Mazhab Imam Malik. Subhanallah. Ah, t'es pas Hanbali? Non, Ousoulan wa Khuroua, pour l'instant. Ouf, c'est un peu compliqué, c'est sur El Kulatayn. C'est quoi le hadith? Ils abalèrent le mal Kulatayn. Ah, bah, Kulatayn, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est une sœur qui demande. Ils abalèrent le mal Kulatayn. Ah, ils نعم إذا بلغ الماء كلتين نعم 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 بس لون كلتين يجي سبب près 400 لتر je crois الله أعلم 100 400 لتر deux coups d'eau je crois
Non, 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 non. Koula, koula, c'est comme des grandes jambes. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Oui, de. Ouais, non, ouais, c'est comme des grands, on va dire des grandes jarres, on va dire en français, je sais pas comment on dit, mais des grands récipients d'eau. À l'époque, ouais. c'était une mesure. Le koula, c'était une mesure. Je crois, Allahu a'lam, koula, une seule, c'est à peu près 200 litres. Allahu a'lam, je vérifierai. C'est à peu près 200. Donc, si par exemple une najasa elle tombe dans l'équivalent de deux, équivalent de entre 200 et 400 litres, mais je remarque, enfin, on vous dira, ils vous mettront en story. Si une najasa elle tombe dedans, elle ne change pas la propriété de l'eau, donc elle ne change ni son odeur, ni sa couleur, ni ni ce, c'est quoi le troisième, couleur, odeur et hein, le goût. Une odeur, voilà. En couleur, ouais, voilà. Le goût, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on le hadith il dit idha balagha al-ma'u qullatayn la yahmilu an-najas. Si l'eau elle atteint le niveau de qullatayn, non, c'est le khabath, je pense. Le khabath. Si non, idha balagha al-ma'u qullatayn la yahmilu al-khabath, al-khabath. Lam yahmil al-khabath. Voilà. Donc si l'eau elle atteint ce niveau-là, on vous le mettra en story, elle atteint ce niveau-là et que une khabath, donc une impureté tombe dedans, d'accord? Eh ben ça l'eau reste toujours pure. Wallahu ta'ala a'lam. Mais même si elle atteint moins que ça, en fait tant que les spécificités de l'eau elles ont pas changé. C'est ça. Et en fait dans le mazhab d'Imam Ahmed, en fait ce hadith là déjà il fait pas l'unanimité. Et deuxièmement, en fait là c'est parce que c'est une recherche qui est assez longue. Mais le résumé de cette recherche-là, si on veut résumer, c'est juste de garder la règle générale qui est tant que l'eau, elle n'a pas, ça veut dire si une impureté est tombée dedans et que son goût, sa couleur ou son odeur n'ont pas changé, alors l'eau, elle est toujours pure. Voilà. Ouais, voilà. Pure. C'est ça. Et excusez-moi, c'est pas ce hadith-là. Ce hadith-là, il est bon. Mais c'est le hadith justement où, sur les trois caractéristiques de l'eau. Celui-là, il y a ouais, différents. Mais la règle, elle est correcte. Mais la règle, elle est correcte. Non. Wallahu a'lam. Khayran, Inch'Allah. En tout cas, je disais comme le khayran. Il y avait pas de gens qui voulaient monter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Mais bon, je crois qu'on va aller dormir. Hein. On va aller dormir, là, papa. On est fatigué, là. Le prochain live, il faudra que tu fasses un live. On fait des rappels, là, comme ça. Au moins, on va oublier ça un peu, là. Ouais, on va faire. Moi, je pense qu'on va faire un live. D'abord, on doit faire la deuxième partie pour taper. On doit faire la deuxième partie pour taper les frères parce qu'on n'a pas bien tapé. Mais après, Inch'Allah, je pense qu'on va faire. On va commencer à faire. Même si Inch'Allah, on peut faire un live sur la purification. Ouais. Comment se purifier concrètement. Abou Soleiman, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes mettre des petites. Les petites clés du Dutsu, là. Les petites clés du Dutsu. Ouais, faut mettre des petites clés du Dutsu, là. Ziad, il a dit, il a fait des kimonos, là. Ouais, faut un ou deux katas, là. Faut un ou deux katas, Abou Soleiman. Ah, frère, voilà, mon genou, il est mort. Ça fait deux semaines, je m'entraîne pas, je suis mort. Toi, t'as fait quoi comme sport? Non, moi, je fais du Jiu-Jitsu brésilien. Moi, j'ai fait du Jiu-Jitsu classique. Ouais, c'est pas pareil, c'est différent. Ouais, j'ai fait du jiu-jitsu classique. Jiu-jitsu classique, c'est un peu comme, on va dire, aujourd'hui, c'est un peu comme le free fight. Ça veut dire que t'as la partie debout et t'as la partie au sol aussi. Ouais, la partie debout, au sol, tout. Ouais, voilà, c'est pas mal. C'est vraiment après, bien. Brésilien, c'est un peu plus acrobatique. Hein. Ouais, nous, c'est Mossara, c'est la lutte en vérité. Donc, c'est bien par rapport au Dean aussi, tu vois. Ouais, j'avoue. Ouais. En plus, ce que j'aime bien, c'est que, alhamdoulilah, c'est un sport qui est, tu sais, où il n'y a pas tous ces trucs-là qu'on va retrouver dans les arts martiaux, comme le salut, tu vois, le recours, toutes ces choses-là. Il n'y a pas tout ça, tu vois. Moi, après, ça, c'était super. On se check et puis, bismillah, tu vois. Moi, je préfère le pied-point. Ah, aussi, c'est bien. De toute façon, hein. Ouais, après, faut pas faire au visage, c'est tout. Ouais, ben. Bon, alors, Moustain, les frères et sœurs, on se tient au courant, on change de fruits. Ouais. Désolé, ceux qui ont demandé à monter, que j'ai pas laissé monter, désolé. C'est quoi la question, attends?
certains ne connaissent pas les types d'eau et ça peut être dangereux malheureusement. Voilà. Ah, après, on peut faire sur les eaux. Ouais. Non. Khair Inch'Allah, les frères, on se encore Inch'Allah pour le prochain live. Ce sera la partie 2. Bon, le tribunal, de, le tribunal des sous-hommes, partie 2. On a les, on a les 3000 derrière nous, c'est bon, on est protégés, hein, par la grâce d'Allah. Ouais, apparemment, on a les 3000. Mais le Khamis, il peut sauter vite. Apparemment, le Khamis, il peut vite sauter. Donc, ça va. Apparemment, là-bas, ça sort en Sarouel, parce que comme ça, c'est direct équipé. On a le 93-600, la rose des vents. Malheureusement, il sort vite. Moi, malheureusement, il sort vite. Donc, même, j'aime pas me mettre devant pour parler de Dieu ou autre chose. Non, 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 moi, il faut que je reste derrière parce que j'ai pas un bon comportement, que trop nerveux. Donc, moi, je suis moi derrière comme un voyou et c'est bon. Et... 93-600, la rose devant. C'est ça. La rose devant. C'est ça. Pour calmer les gens, mais c'est une arnaque, la rose devant. La rose devant. Très bien, Inch'Allah. Allez, frère et soeur, on s'est au courant, Inch'Allah, qu'à vous présente. Ça va être cool. Allez, qu'Allah, ça m'a confié là.